Et pour aller plus loin à propos de cette manifestation et la situation de l'emploi en Guyane, on reçoit ce soir Stéphane Bailly, directeur de Pôle emploi Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une quarantaine de jeunes espéraient décrocher un emploi, hein, avec notamment cette méthode autour du sport comme vecteur, hein, pour faciliter le contact. Bilan, est-ce que cela a marché ? Alors, effectivement, ça a marché, puisque ce sont des personnes qui, dans un entretien traditionnel, n'auraient certainement pas passé le cap du CV ou de la lettre de motivation. Là, ils ont tous eu plusieurs entretiens, puisqu'il y avait 15 entreprises qui recherchaient différents profils. Les retours des employeurs qu'on a eus il y a maintenant à peine une heure nous disent qu'il y a des profils très intéressants, qu'ils ont vu des potentiels, qu'ils vont avoir des deuxièmes entretiens. Et ça concerne plus de la moitié des personnes qui ont passé les entretiens. Donc déjà, un premier bilan à chaud, une vraie réussite. Alors justement, le sport intervient au début ou à la fin de l'entretien? On sait que le passage de ce CV, de cette lettre de motivation est obligatoire. À quel moment cette étape intervient? Alors, dans l'organisation en fait, de l'événement, vraiment le sport arrive au début. Et comme ça a été dit dans le reportage, les personnes ne savent pas qui est avec qui est qui. Et du coup, ça commence en fait à prendre contact, et l'employeur peut voir déjà des qualités de la personne, des qualités d'entraide, des qualités de leadership aussi, de motivation, parce que je pense que aussi la motivation et le savoir-être sont vraiment des choses que les employeurs recherchent avant même les aspects techniques. Alors, 15 entreprises étaient présentes, vous venez de le dire. Sont-elles demandeuses de ce type de rencontre, ou est-ce qu'il faut à chaque fois aller les chercher ? Non, ils sont vraiment venus sans problème. On a dû même limiter le nombre d'entreprises en raison du contexte sanitaire. On aurait dépassé les jauges sanitaires. Et on n'a vraiment aujourd'hui aucun problème pour mobiliser les entreprises. De nombreux jeunes, on le sait, sont en situation d'échec scolaire. Certains sont même sur la voie de l'exclusion. Un public qui demande un suivi très appuyé. Est-ce que Pôle emploi suit ces jeunes, et comment vous les suivez? Alors, on les suit avec un dispositif particulier qu'on appelle l'accompagnement renforcé jeunes. Il y a 12 conseillers qui sont dédiés en fait à cet accompagnement. Mais on le fait aussi en coordination avec les collègues de la mission locale, qui sont spécialisés aussi dans l'accompagnement des jeunes. Et d'ailleurs, une des clés de réussite de cet événement, c'est que les jeunes étaient issus des différents organismes qui s'occupent des jeunes de l'école de la seconde chance, comme on l'a vu sur le reportage précédent, les jeunes du RSMA. Le RSMA était aussi parmi nous, de la mission locale et donc de Pôle emploi. Un accompagnement d'un jeune en situation d'exclusion, ça se déroule comment concrètement? Comment se passe ce suivi au quotidien? Alors, au niveau de Pôle emploi, c'est un accompagnement intensif. C'est-à-dire que le conseiller va donc voir la personne plusieurs fois dans le mois pour bien définir déjà son projet. Ce que le jeune veut faire, soit il est prêt, proche de l'emploi, et on va commencer en fait à le préparer aux techniques de recherche d'emploi et aussi au savoir-être qui sont nécessaires pour être en entreprise. Si par contre le jeune est assez loin de l'emploi et veut faire un projet de formation, on va travailler un peu sous forme modulaire, avec différents, dans le cadre d'un parcours, pour progressivement l'amener vers l'emploi. Plus globalement, Stéphane Bailly, la situation de l'emploi en Guyane est tendue, on le sait. En 2019, 4 Guyanais sur 10, âgés entre 15 et 64 ans, donc étaient en emploi, et 1 sur 10 au chômage. On voit des chiffres inquiétants. Est-ce que la crise Covid a aggravé la situation ? Non, on a eu une situation qui était très différente de celle de la métropole. La crise Covid n'a pas, en fait, détérioré le marché du travail en raison, d'une part, de l'activité partielle mise en œuvre par l'État, qui a permis quand même de garder un certain nombre d'emplois, et aussi de toute la commande publique, de tout le travail qui a été effectué par les entreprises du bâtiment et les autres entreprises pour maintenir un niveau d'emploi. Et aujourd'hui, depuis le mois de septembre et donc la reprise de l'activité, nous sommes à peu près sur le même volume de dépôts d'offres à Pôle emploi qu'on avait l'année dernière. Quel secteur aujourd'hui recrute le plus ? Alors, le bâtiment, mais il y a aussi les entreprises de services, les entreprises d'intérim,
en fait, beaucoup de services. Aujourd'hui, plus de 600 offres sont mensuellement déposées à Pôle emploi. 600 offres mensuellement déposées. Merci Stéphane Bailly d'avoir répondu à notre invitation ce soir. On rappelle donc que vous êtes le directeur de Pôle emploi Guyane.